personnalité. Là où vous êtes, ce n'est pas ce que vous êtes. Alléluia. Vous pouvez être dans un endroit où c'est plein de sorciers, où c'est plein de pauvres. Cela ne signifie pas que vous êtes aussi pauvre, cela ne signifie pas que vous êtes aussi sorcier. Mais nous qui avons eu l'occasion d'être Zaïrois, nous étions millionnaires. Un Dieu progressif. Ce qu'il a fait avec votre papa, il ne le fera pas certainement avec vous. Il fera autre chose. Ce que j'aimerais que chacun de nous retienne, que là où ton père s'est arrêté, que cela soit une fondation pour toi. Mais les pays africains aujourd'hui n'ont pas d'excuses. Parce qu'ils ont du moins l'idée de ce qu'on appelle autoroute. Ils ont du moins l'idée de ce qu'on appelle supermarché. Alléluia. Ils peuvent, à partir de ce qu'ils ont vu faire les autres, ils peuvent faire aussi quelque chose. On fait, doit être certainement pour les pays africains, une fondation. Un point de départ, une base. Et c'est par là que les Africains pourront peut-être faire mieux. Mais malheureusement, ils sont là que pour pleurer. Et chercher les gens à venir conçus pour aider nous. Bien aimé, Dieu nous a placés tous sur la terre pour dominer la terre et pour la transformer et la sujettir. Alléluia. Déjà aussi un modèle. Votre père a été pour vous un modèle. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vos aînés ont été pour vous des modèles. Dans votre environnement, vous avez connu des modèles. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous limitez pas. Alléluia. Essayez de progresser et allez encore vers l'avant. Alléluia. Parce qu'il y a devant vous, eh bien, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance, déjà réservées. Ton problème, mon frère, n'est pas ton environnement. Le vrai problème, c'est toi. Si tu te sens bloqué, je vous ai déjà dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous a placés dans un environnement où il nous a donné la possibilité de transformer cet environnement. C'est à vous de transformer ces milieux. Alléluia. Amen. C'est à vous de créer des choses. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque quelqu'un se rend compte que dans cette ville, il n'y a pas du boulot, j'ai béni le Seigneur. Mais néanmoins, Dieu vous a donné l'intelligence. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du boulot, peut-être c'est parce que Dieu veut faire de vous un entrepreneur. Si tu vends la drogue, tu connais certainement comment vanter ton produit pour attirer les gens vers ces produits. Le frère a dit oui. Et le pasteur lui a dit, c'est ce que nous appelons marketing. Si tu connais comment prendre soin de tes clients, c'est ce qu'on appelle quoi? Service clientèle. Alléluia. Il sait prendre soin de ses clients. Donc déjà, tu connais déjà prendre les décisions du management. Tu connais faire le marketing, tu connais le management, tu connais le service clientèle. C'est que tu es en mesure de vendre autre chose en utilisant seulement tes capacités. Avec les mêmes capacités, avec le même marketing, avec le même service clientèle, avec le même management, aujourd'hui tu peux vendre des ordinateurs, tu peux vendre des médicaments, tu peux être propriétaire des dépôts pharmaceutiques, tu peux vendre des choses qui amènent la vie et non des choses qui amènent la destruction. C'est quelque chose. Il a pris une décision sérieuse d'utiliser seulement la même connaissance qu'il avait pour les meilleures choses. Aujourd'hui, il est compté parmi les millionnaires. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, essaie un peu de changer. Sors un peu de ta boîte. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, parce qu'Abraham était limité dans une tente. Abraham ne pouvait compter que les choses qui passaient dans sa tente. Dieu lui a dit, attention Abraham, ce que je veux de toi, c'est plus que ce que tu es en train de voir. Essaie un peu de sortir. Lorsque tu sortiras, et bien regarde un peu les étoiles, voici ta bénédiction spirituelle. Regarde les sables de la terre, voici ta bénédiction matérielle. Alléluia. Spirituellement, matériellement, Abraham était béni. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait sortir sa tente pour élargir l'espace.